الإفريقية برمتها. وفي الختام أكدنا بشكل قاطع لا لبس فيه أننا لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر، وأن الحفاظ على أمن واستقرار النيجر ورفاهية شعبه الشقيق يستلزم منا بذل المزيد من الجهود والتضحيات بصفة فردية وجماعية، وأننا لن ندخر أي جهد في سبيل تفعيل الحل السلمي والسياسي للأزمة في النيجر. Voilà, vous l'avez entendu, c'est le chef de la diplomatie algérienne en personne qui menace toute partie qui mènerait une guerre contre les putschistes en Niger. L'Algérie, opposée à toute intervention, tente de faire une médiation au Niger, une façon de s'imposer comme administrateur à l'intérieur du pays qui a connu un coup d'État. L'Algérie, qui est hostile à toute intervention armée au Niger, poursuit ses efforts de médiation avec l'envoi jeudi dans ce pays du numéro 2 de sa diplomatie, Lounes Magraman, qui a appelé à privilégier la négociation, toujours selon la radio nationale nigériane. Une intervention au Niger aura des conséquences naturellement désastreuses, non seulement sur le Niger, mais aussi sur tous les pays de la région, a-t-il déclaré, assurant privilégier la négociation, selon des propos rapportés par la radio nationale nigériane. Toujours selon ce média, M. Magraman a rencontré le premier ministre nommé par le régime militaire putschiste, Ali Mohamed Lamine Zein, en présence de plusieurs membres de son gouvernement, les ministres de la Défense Salifou Modi, des Affaires étrangères Bakary Yao Sangaré et de la Justice Aliou Daouda. Le mercredi, c'est le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf qui avait entamé une tournée de discussion dans trois pays de la CEDEAO, à savoir le Nigeria, le Bénin et le Ghana, sur mandat du président algérien Abdelmjid Tebboune, pour des soi-disant consultations sur la crise au Niger et les moyens d'y faire face. Il a souhaité que cette visite renforce l'élan international et régional et encourage l'adhésion de tous autour du processus politique et pacifique pour le règlement de la crise au Niger. La diplomatie algérienne a un long passé de médiation ou de tentative dans le règlement de conflits dans la région, malheureusement toujours des échecs. Toujours la même façon de gérer la diplomatie, une façon identique à celle dont les capots rouges gèrent les affaires internes du pays sous régime militaire depuis 1962. Le président Tebboune avait fait savoir le 6 août qu'il refusait catégoriquement toute intervention militaire extérieure au Niger, qui représente selon lui une menace directe pour l'Algérie. Il n'y aura aucune solution sans nous, disait-il. Nous sommes les premiers concernés, avait-il ajouté dans un entretien sur la télévision nationale. L'Algérie, qui partage près de 1000 km de frontière avec le Niger, est limitrophe de deux autres pays en proie à des crises profondes, le Mali et la Libye, et elle refuse l'ouverture d'un troisième front au niveau de ses frontières. Après le renversement le 26 juillet par des militaires du président nigérien Mohamed Bazoum, élu en 2021, la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, avait annoncé le 10 août son intention de déployer une force ouest-africaine
pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Deux pays, le Mali et le Burkina Faso, sont prêts à entrer dans la bataille aux côtés du Niger, avait souligné le président algérien en estimant qu'en cas d'opération militaire, tout le Sahel s'embrasera. De quoi a peur l'Algérie? Nous le saurons, car certainement, elle n'est pas en train de défendre les putschistes, elle n'est pas en train de défendre le renversement de Bazoum qui était son allié juré, mais certainement l'Algérie a des craintes au niveau de ses frontières, car tellement ça brûle au niveau du pays que l'Algérie et son régime militaire dictateur ont peur d'une contamination, ont peur d'un Hirak, un nouveau Hirak qui les enverra définitivement en dehors du pouvoir en Algérie. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'uyun maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant. Un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazir, la chanson amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale, qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez, chacun en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'uyun maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné. C'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 euros à peu près. Et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Rejoindre » juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats, lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres
À chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière, restez donc branché sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous.